Tu dis que je suis une icône donc, du jeu vidéo ou autre. Pas tant que ça, j'ai envie de dire, c'est ça, principalement notre équipe avec Fanta. Fanta et Bob, hein, c'est marqué dans le titre, hein, c'est le principe qui font qu'on est une icône, on est une équipe à deux. C'est je sais pas, c'est Tom et Jerry, je veux dire. Ça, l'un ne se fait pas sans l'autre, tout simplement, ce serait pas drôle sinon. C'est juste un partenaire absolument formidable et je veux le remercier. Si je l'ai rencontré, donc c'est en jouant à Minecraft, je crois que c'était en 2000, début 2011, fin 2010, dans ces eaux-là. Je l'ai rencontré donc sur un serveur multijoueur, j'étais là en train de jouer, peinard ou autre. Lui, il avait commencé ses vidéos seul à expliquer comment fonctionnait Minecraft aux noobs qui ne connaissaient pas forcément le jeu. Donc ça avait eu un petit succès, il avait 1000 abonnés, des brouettes, c'était déjà sympa. Et il m'a vu présenter ma ville parce qu'il avait admiré la construction que j'avais fait dans Minecraft, qui est un jeu de Lego, hein, tout simplement. Il avait vu donc des magnifiques architectures pour l'époque, hein. C'est moisi maintenant, mais il s'était dit, tiens, c'est original, j'aimerais bien le filmer, le montrer ça aux gens. Il m'a demandé d'en faire la présentation. Il a beaucoup aimé, je sais pas, notre synergie, la manière, le fait qu'on se renvoie la balle, le carré mutuel. C'est vrai qu'à nous deux on se décuple, hein, c'est ça qui est absolument formidable. Et du coup il m'a proposé de continuer à faire des vidéos avec lui et moi j'ai complètement accepté. Alors ensuite on a fait des émissions, hein, des Fantabob Show, etc. Puis on est allé sur jeuxvideo.com en juin-juillet 2011, hein, dans ces brouettes. Alors après, par contre, avec Fanta, on est parti sur une autre chaîne. On est toujours sur l'ancienne, on fait toujours du Minecraft, bien sûr. Mais on est parti sur une chaîne qui s'appelle Fantabob Games, qui nous permet, après notre tour sur YouTube, qui nous permet donc de jouer à d'autres jeux et de montrer, nous, nos deux personnalités, pendant qu'on joue à d'autres jeux, les conneries qu'on peut sortir. Du coup, on va rester aussi sur cette lignée. On va pas abandonner Minecraft, bien évidemment, mais on se diversifie, après tout, on aime les jeux vidéo en général, c'est pour ça. Alors dans un premier temps, oui, on s'est déjà rencontrés, hein, lors d'une toute petite convention justement du site sur lequel on s'est rencontrés, hein, pour l'occasion d'Halloween, la Halloween, hein, c'était sur Minefield, un petit site comme ça, c'est formidable, pour Minecraft, un site multijoueur, et on s'était rencontrés en vrai, il était venu en France pour voir sa famille aussi au passage, et donc on s'est vu alors qu'on travaillait déjà depuis 10 mois presque ensemble via Skype. Je le dis, hein, c'est pour ça, la technologie est absolument formidable, elle nous permet de travailler sans trop de lag, hein, ou du moins de ce soit injouable ou ingérable en termes d'envoi, de plot de vidéo, de tournage, tout ça avec les contraintes, bien évidemment, mais non, c'est la beauté d'Internet. Il y a 15 ans, on s'émerveillait de pouvoir parler avec un Australien ou un Américain via le petit modem 512K ou 56K. Maintenant, de nos jours, on peut travailler à distance sans même rencontrer une seule fois la personne physiquement, mais c'est pas grave, il y a des webcams, on a l'habitude, puis on est une génération virtuelle nous aussi, c'est pas un concept qui nous dérange plus que ça, hein. Le télétravail, moi en plus j'avais l'habitude parce que je faisais déjà ça auparavant, Fanta lui il a mis un peu plus de temps à s'y habituer, mais une fois qu'on y était, c'était absolument formidable, on s'appelait, puis roule, et puis on se laisse les messages, vu qu'on passait toute notre vie sur nos PC finalement, on ne pouvait pas se rater. Je tiens à corriger, je ne change pas de Minecraft à Skyrim. Il faut savoir que beaucoup de gens sont là, ouais, tu délaisses le Minecraft, tu fais moins de Minecraft qu'avant, et du coup, on a moins de vidéos Minecraft. Non, vous comprenez pas les gens. Avant, je jouais autant aux jeux vidéo sur les côtés de genre Skyrim, Street Fighter, ou des trucs comme ça, que maintenant. La différence, c'est que maintenant, quand je joue à des jeux qui sont autres que Minecraft, je me filme. C'est l'unique et seule différence. Moi, mon temps de jeu ou de gameplay différent ou autre, en termes de Minecraft slash le reste, ça n'a absolument pas changé. Les proportions restent exactement et sensiblement les mêmes. Pourquoi Skyrim? Eh ben, parce qu'à l'époque, le jeu sortait. Je sortais, j'avais envie de faire un lancement fanfare de la chaîne et de faire un playthrough de Skyrim, de finir le jeu à 100%, de tout balancer ou autre. Je pensais que ça me prendrait pas. Enfin, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Vraiment, hein, j'ai l'intention de le finir. Hein, pour ceux qui se posent la question, j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est, si ça doit prendre 1500 épisodes, ça prendra 1500 putains d'épisodes. Sans déconner, je le fais. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi bien auprès des joueurs. Côté expérience, il y a plusieurs jeux qui m'ont marqué, je dirais. Tout d'abord, sur Amiga. J'ai commencé avec l'Amiga quand j'étais gosse avec mon père, en jouant aux Lemmings. D'ailleurs, ça me faisait hurler de rire quand j'avais 2 ans, que mon père faisait exploser tous les Lemmings à l'écran. C'était, voilà, les pixels, ça faisait hurler de rire, voilà, donc déjà Pyro Barbare, hein, à l'époque. Jim Power. Je dirais Turrican 2. Ensuite, j'avais enchaîné avec la NES, avec l'incontournable Super Mario Bros. 2. Pas le premier. D'abord pas le premier, d'abord le 2, hein, tout simplement. Ensuite sur la SNES, je dirais le Secret of Mana 1. Et j'ai eu la chance plus tard de jouer à Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3, donc en l'occurrence, hein, en Jap, donc Secret of Mana 2 en américain, vu qu'en français il est jamais sorti. Après des jeux préférés, c'est dur à dire comme ça. Mais un qui m'a marqué le plus récemment, celui qui m'a fait le petit fourmillement dans le ventre et qui m'a donné du plaisir fou, c'était Brutal Legend.
Mais comment je le ressens? Ben moi, ça me fait extrêmement plaisir. Parce que quand tu vois des files d'attente de gens qui attendent pour ta dédicace ou que tu leur sortes une connerie ou que tu les fasses patienter ou une photo ou n'importe quoi, ça fait évidemment très très plaisir. La différence, c'est que moi, toutes ces dédicaces, toutes ces conventions, je me suis découvert un truc, c'est très con, hein. C'est les petits-enfants. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de venir aux conventions. C'est pour ça que je m'y déplace énormément. Aussi pour me faire connaître un peu. J'en profite parce que c'est là qu'on rencontre du monde. Ça permet d'avoir des contacts sur les bons chats et tout. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait aussi de rencontrer éventuellement d'autres youtubeurs ou des gens qui travaillent sur Internet. Parce que, comme je dis, sur Internet ou sur YouTube, ou même sur jeuxvideo.com, Dailymotion, tout ce que tu veux, on est tous sur le même bateau finalement. C'est compliqué parce que c'est une question de temps en fait, tout simplement. Maintenir nos propres séries pour tout le monde, tu demandes que ce soit Usul, Réel Myope, Fred, enfin Jour du Grenier, les Noobs, nous, notre côté, Fantaï Bob, ça demande beaucoup de temps. Trouver des collaborations, c'est difficile spatialement parlant parce qu'on habite à tous des endroits différents de la France, hein, c'est pour ça. Mais lorsqu'on a l'occasion, lorsqu'on peut, lorsqu'on a le temps, notamment au cours des conventions, hein, notamment le Geek Ferris qui va bientôt arriver, dans laquelle on va s'éclater parce qu'on va tous se retrouver, donc forcément on va déconner, on va faire de la merde, enfin il y a moyen de se marrer, il y a moyen de faire du crossover, c'est pour ça. À ce moment-là, oui, ça pose absolument aucun problème. Et si un jour, je sais pas par quel miracle, mais si un jour on se retrouve tous à Paris ou qu'il y a des gens qui déménagent, qu'on monte ou autre, là oui, on pourra faire ça de manière plus fréquente, c'est une question de temps. Merci d'avoir écouté cette interview la plus totale sur ce site absolument magnifique. Hein. Je souhaite te remercier en tout cas d'avoir pris le temps de me poser cette question. Je souhaite me remercier pour avoir pris le temps d'y répondre. Je vous remercie en tout cas. C'était Bob Lennon pour le Lyon Geek Show. Merci infiniment et bonsoir. C'était Bob Lennon.